Ce mercredi 8 décembre, l'Allemagne tourne une page et pas des moindres puisque Olaf Scholz, le leader du SDP, le Parti social-démocrate allemand, est élu ce mercredi nouveau chancelier après 16 années de gouvernance assurée par Angela Merkel. Olaf Scholz va diriger un gouvernement de coalition avec les libéraux du FDP et les Verts qui font leur entrée dans un gouvernement fédéral. Une première dans l'histoire de ce pays, qui attend avec impatience la mise en place d'un programme très ambitieux sur le plan social ou encore environnemental, un programme qui doit permettre de moderniser l'Allemagne. Avec les libéraux du FDP et les Verts qui font leur entrée dans un gouvernement fédéral, Olaf Scholz va diriger un gouvernement de coalition. C'est un pari sur l'avenir. C'est la première fois que l'Allemagne se retrouve avec une équipe qui compte trois partis qui vont gouverner ensemble en coalition. Il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas parvenus à fixer les lignes qui nous étions chères. On a dû faire des compromis, c'est évident, surtout avec les libéraux, mais aussi avec la social-démocrate. Mais les enjeux de la société, que ce soit la pandémie, le climat, la transformation en profondeur vers une écologie de demain, ce sont les enjeux tellement importants qu'en tant qu'écologistes, nous n'avons pas le choix. Il faut y arriver.